Vous ne le savez peut-être pas, mais Homo sapiens a un descendant. Il s'appelle Imo sapiens. Les anthropologistes l'ont ainsi nommé car il est le représentant de CSP Immobilier. Parmi les hominidés actuels, le sapiens se distingue par un esprit de service supérieur. Cela veut dire que sans lui, vous travailleriez dans de mauvaises conditions, ou pire encore, vous ne sauriez même pas où travailler. Les récentes études de l'ADN du sapiens révèlent une aptitude particulière. C'est un véritable expert de l'immobilier. Selon les besoins, il recherche de nouveaux biens en acquisition ou en locatif. Ou alors, il adapte le parc immobilier existant aux activités de la banque. Le sapiens s'occupe de tout, de la prise du bail à la restitution. Ses compétences de gestionnaire lui permettent aussi d'optimiser les actifs patrimoniaux du groupe et de gérer le parc immobilier. Le sapiens contribue à la stratégie d'occupation du parc immobilier et pilote sa mise en œuvre. Il a une capacité d'écoute et d'analyse remarquable, ce qui lui permet de travailler en partenariat avec tous les services de la banque pour bien comprendre les besoins de chacun. Il organise alors l'affectation de vos surfaces de travail. Ensuite, il s'occupe de tout. Études, réalisation des plans, planification, coordination et pilotage des transferts. Le sapiens se charge même de votre déménagement. Et ce n'est pas tout. Si vous souhaitez des aménagements spécifiques, une surface technique ici, une salle de réunion là, c'est lui qui réalise tous les travaux. Bref, lorsque vous arrivez le lundi matin dans vos nouveaux espaces de travail, tout est prêt. Vous êtes chez vous. Par la suite, c'est encore le sapiens qui gère vos besoins de travaux courants ou exceptionnels. Et tout cela au travers d'une stratégie d'investissement. Le sapiens ne veut pas être vu. C'est pour cela que vous ne le voyez pas. Il assure la maintenance et l'exploitation de vos immeubles. Au quotidien, il veille au bon fonctionnement de l'ensemble des installations techniques et énergétiques de vos bureaux et data centres, avec une seule idée en tête, garantir une continuité d'activité. Bref, le sapiens agit de jour comme de nuit pour votre confort. Mais si vous ne le voyez pas, il vous est facile de lui parler. Lorsque vous composez le SVP 40000, c'est lui qui vous répond. Le sapiens fait alors preuve d'une grande réactivité pour satisfaire vos besoins. Les expériences le prouvent. Le sapiens voit tout. C'est pour cela qu'il est aussi en charge de la sûreté de vos bâtiments et de votre sécurité. Grâce à sa vigilance de chaque instant, vous ne risquez rien. Grâce à son anticipation, les biens de la banque et les centres de données informatiques sont parfaitement sécurisés. Le sapiens assure une veille technologique et analyse les nouveaux risques liés à l'environnement immobilier. Le sapiens est sensible à la moindre variation climatique. C'est pour cette raison qu'il élabore la stratégie énergétique et environnementale du parc immobilier. Parfaitement informé des lois en vigueur, il s'assure du respect de la réglementation et développe les outils de contrôle et de mesure énergétique. Comme vous pouvez le constater, le sapiens fait preuve d'un appétit de service hors du commun, ce qui le pousse à superviser une multitude de prestations transversales. L'accueil téléphonique Société Générale, la brasserie et les clubs de direction, la gestion du parc automobile pour le réseau et les services centraux, la gestion des baux d'habitation pour les collaborateurs en mobilité, les supports de communications internes aux services centraux, la délivrance des badges d'accès aux locaux, la reprographie.
Avec autant d'activités, vous pouvez imaginer que le CS Piens a une organisation remarquable. Elle est souvent comparée à celle de l'équipage d'un voilier. Ici, il y a le capitaine qui donne le cap. Ici, ces deux adjoints qui supervisent le développement des activités et le secrétariat général avec les innovations, les risques et la logistique. Et puis là, vous avez toutes les activités parfaitement organisées par entité. À ce jour, le CSPIEN s'est parfaitement acclimaté à l'Île-de-France et son territoire va progressivement s'étendre à tout l'Hexagone. Mais aucun spécialiste ne peut encore se prononcer sur les évolutions du CSPIENS tant ses ressources semblent sans fin.